Aujourd'hui, le destin de ma chaîne est entre les mains de celle-ci. Si je ne termine pas Granny, je supprime ma chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par... moi. J'ai sorti récemment un let's play sur Dead Space. C'est le nouveau Dead Space qui a été entièrement refait. Donc allez le regarder si elle vous plaît. Aujourd'hui, nous allons essayer de jouer à Granny en mode challenge. Il y a une nouvelle fin. Je vais tenter de le réussir en un seul run. Jour 1. Comme à notre habitude, les amis, nous commençons dans la chambre en espérant pouvoir avoir les objets au bon endroit, ok? Du coup, je reviens sur pas mal de petites choses, notamment sur le fait qu'il y a un HUD. Il y avait pas mal de personnes qui demandaient sur la première vidéo, qui disaient « Ouais, c'est Ross, c'est nul, j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile. » C'est normal! Granny a été supprimé de Steam! Granny n'existe plus sur PC! Du coup, on est obligé de jouer à la version mobile avec BlueStack, si on veut y jouer sur PC. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il marche pas très bien cette version-là pour l'instant. Genre, j'ai l'impression que ça rame un petit peu. Granny ? Ça va, tout va bien ? Ah oui, il y a un autre truc aussi. On m'avait dit que mon joystick était pas assez poussé. Du coup, je ne pouvais pas courir. Du coup, il aurait fallu que je règle ce détail. C'est pour ça que je cours très doucement. Hé, hey, Granny, calme-toi hein. Parce que là, en fait, je ne cours pas. Je marche. Je marche! C'est pour ça qu'elle peut me rattraper! Je suis pas en course! Putain de pute! Je suis juste trop nul à ce jeu! Pourquoi vous aimez regarder un mec aussi nul que moi sur ce jeu? Dites-moi la réponse dans les commentaires. Et là, je cours. Et là, je cours, les amis. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Ah, oh, mais ça, il fallait que je le fasse dès le départ. Heureusement que je lis les commentaires. Hein. Ok, j'ai ce truc-là. Je ne sais pas à quoi il sert. Il y a un bout du canon juste ici. Hop. On va partir de ce côté-là. Moi, je vais aller dans le trou. Le trou d'égout. Granny, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est pas mon problème. Donc du coup, en fait, ça change tout, les amis. Ma vitesse de déplacement a été améliorée. J'ai gagné littéralement plus 25 en vitesse. Plus 25 en vitesse, les amis, c'est incroyable. Du coup, le but du jeu maintenant, la première mort a été un petit peu débilos. Mais vous assure que là, ça va bien se passer. Oh, un écrou, c'est très bien, on en a besoin. J'ai besoin d'un marteau. Du coup, là, je suis dans le passage secret. Il y a pas mal de monde qui me demandait de passer dans le passage secret. Il y a pas mal de monde aussi qui me parlait du fait qu'on peut se cacher sous les tables dans le premier épisode. Je sais. Je sais. Je l'ai coupé au montage, malheureusement. Mais je me suis caché sous plusieurs tables. Et j'étais là en mode, oh, on peut se cacher sous les tables, c'est trop bien et tout. She saw me. She saw me right now. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, mais c'est comme ça en fait qu'on fait les petites actions. Rappelez-vous en fait que j'ai joué aussi au faux jeu Granny en fait, qui était un peu drôle. Ok. On peut pas aller là tout de suite. Je vais la tirer et je vais la trucider, les amis, dans le sauna. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de la clé, ouais, forcément. Je fais ça. Et je vais me cacher. J'attends qu'elle arrive. C'est une strat facile. Vous m'avez déjà vu faire ça des milliers de fois. Ok? Donc, pas de problème pour ce petit passage. On sort. Et on la tue. Voilà. Bref. Granny va mourir pendant quelques secondes. Ok? Genre une minute ou une connerie du genre. Je ne sais plus à quoi sert l'appareil que j'ai dans les mains. Je crois que ça va être utile pour une des sorties de la nouvelle zone. Clairement. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que la nouvelle zone, en fait, je vais l'avoir dans le salon. Granny est parti pour une minute, les amis. C'est parti. On peut juste fouiller à notre... Alors, ici, on a le numéro 1.
Gardez ça en tête, il ne faut jamais ouvrir le numéro 2. Numéro 1, c'est la zone. On a besoin de la clé d'araignée. Du coup, je vais poser ça ici parce que j'en aurai besoin pour plus tard dans la nouvelle zone. Je vais récupérer quand même le canon parce que ça peut servir. Nous avons ouvert... Non, vous n'avez pas ouvert les placards ici. J'en suis en train de m'emmêler. Ferme-toi, toi. Il n'y a rien. Dans le frigo, il y avait quelque chose. Non, il n'y a rien non plus. Du coup, ici, j'ai encore le... ce truc-là. J'ai rien ici, normalement. Donc, du coup, parce que... ce que je vais aller, c'est que je vais aller dans... Ah ah! Allez, donc montre-moi. Montre-moi ce que t'as. Ok, j'ai... je sais où se trouvent les deux écrous. Très bien. On va probablement ouvrir ça. Une minute, ça va passer super vite, les amis. Une minute, c'est vraiment très très rapide dans l'univers de Granny. Bonjour, Granny numéro 2. Bah, beaucoup de monde qui me disent que... Flûte. J'arrivais pas à passer. J'arrivais pas à passer, les amis. Oh boy. Oh bah j'ai attiré tout le monde, non? Clairement. Non! Mon dieu! Je me suis enfermé, vous êtes sérieux? J'ai essayé de passer dans le trou et le trou s'est fermé devant, devant mes yeux. Eh hey Granny, je fais comment, moi? Je veux juste terminer ce niveau. Je veux juste retourner dans les abysses. J'ai juste besoin... du livre. J'ai juste besoin du livre. Bon, par contre, Granny... ok, d'accord. Elle va continuer à faire ce qu'elle a envie de faire. Moi, je veux poser, en fait, le pistolet. Je veux poser le pistolet ailleurs. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des graines pour oiseaux. Ok, pourquoi pas. J'ai envie de te dire... Why not? Écoutez ça sur la terre, là. Les graines pour oiseaux. Est-ce que... Oups. Bah, elle va t'attirer, hein. Je vais me poser la question. Est-ce que ça va l'attirer? Mais maintenant que je fais tomber la petite boîte de conserve, là, c'est foutu, tu vois. Donc, maintenant, vu que j'ai les graines pour oiseaux, je vais pouvoir attirer le corbeau de l'autre côté. Pour l'instant, le jeu, ben, ça va, ça enregistre bien, donc ça va, tout va bien. Je vais juste ici, je vais mettre le truc pour oiseau, hop, il s'envole, et je récupère le cutting wire, ok? Je fais tomber juste ici. Voilà, comme ça, elle est attirée ici. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mes cutting wires... Bon, c'est quoi? Voilà. Là, elle va être attirée à nouveau dans le sous-sol. Donc maintenant, avec mes cutting wires, le seul endroit où je pourrais aller sans trop de soucis... Ah oui, je vais aller dans le passage secret juste ici, tu vois. Je crois pas que le jeu soit ultra fluide, par contre. J'ai la clé de la voiture. Très bien. Ici, j'ai... Hop. J'ai juste Teddy. Teddy, ce qui est cool, c'est que Teddy change pas vraiment beaucoup d'emploi. Genre, j'ai refait Granny 3 il y a pas longtemps. Et peut-être faut que je poste la vidéo aussi au passage. Mais j'ai refait Granny 3 il y a pas si longtemps que ça. Et ça a pas été de tout repos, on va dire. On va récupérer la clé de la voiture. Je vais ouvrir la voiture et voir ce qu'il y a dedans. Déjà dans la boîte à gants. Parce que c'est un endroit où il y a quand même pas mal de choses sympas. Hop. On descend. Ouf, il y a un piège. Attention. J'ai le marteau, c'est génial. Bon, maintenant je me suis caché parce que j'ai fait tomber la porte, hein, forcément. Avec un peu de chance, elle n'a pas entendu, mais bon, rien n'est moins sûr. J'ai entendu une araignée. C'est littéralement le bruit d'une araignée que je viens d'entendre. Ok, Granny descend tranquillement. À base de tranquillade. Elle vient voir. Elle vient vérifier la porte. Allez, Granny, dépêche-toi de partir. On est limité en termes de temps. Ça la fait rire. Ça la fait littéralement rire. Moi, ça me fait pas rire, Granny.
Ça me fait pas rire. Je suis très triste, Granny, qu'on se retrouve comme ça. D'accord ? Ça a jamais été un bon délire. Allez, vas-y, va-t'en. Merci. Merci beaucoup. Bon, on va laisser la clé ici, en fait. Vous savez ce que ? Je vais la re-attirer dans le sauna. Je crois que je peux l'avoir encore une fois. Et il me semble, en fait, que Granny, en fait, est... Le sauna, en fait, ça... Elle peut se faire avoir qu'une seule fois dans le sauna, il me semble. Du coup, je vais balancer la clé à l'intérieur. Ça doit marcher encore une fois. Après, elle casse la porte. Donc, faut faire attention. Mais avec le marteau, déjà, je peux enlever les planches à différents endroits. Je me rappelle que j'avais pas trouvé le marteau la dernière fois. Et là, le marteau, c'est plutôt cool. Attention. Est-ce qu'elle se méfie ou pas ? Non, l'IA est toujours un peu con-con. C'est Granny, après tout. Voilà. Il faut se... On se barre d'ici. Oh non, pas une deuxième fois quand même ! Et là, en fait, en gros, ça marche pas une deuxième fois. Elle... littéralement, elle fait exploser le truc, en fait. Elle est en mode, non. Non, 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 ça marchera pas comme ça. Je vais pas me faire avoir. Elle a raison en même temps, tu vois, c'est... Je crois qu'elle est... Elle est même pas morte, là. Ah si, c'est bon, elle est morte. Là, je vais aussi profiter pour... Hop. Mais les gars... Mais c'est quoi ce bug ? C'est bon. C'est bon, les amis, j'ai réussi. Non, mais j'ai eu trop peur, en fait, là, parce que... Là, pour le coup, le bug, c'était que le bout de carton nous gênait. Et du coup, ça m'empêchait de passer par ici. Horrible. C'est quoi le bouton ? Oh non, je sais pas c'est quoi le bouton. Attendez. Hop. Le bouton. C'est T. J'ai mis T. Ça y est, de tous les boutons. Voilà. Il est où mon marteau ? Merci. Voilà. J'ai le steak. Parfait. Le steak qui est juste... Le steak qui est juste à côté du... J'ai la wheel crank. Ok, j'en ai besoin de ça. Granny ? Ok, bye ! Alors maintenant, la wheel crank, j'en ai besoin pour plus tard, pour ouvrir une autre porte. Moi, je vais retourner... là-dedans. Je vais retourner dans le raccourci pour aller dans... Pour aller dans l'eau. Mais par contre, mon problème, en fait, c'est que... Faut que je fasse attention à ne pas attirer Granny ici. J'ai un morceau du moteur. Ah, super. Faisons bugger le jeu. Alors, du coup, Granny, tu vois, genre... Elle arrive, elle est un peu sénile, tu vois. Genre, elle arrive, elle voit littéralement le moteur qu'elle avait caché derrière des planches sortir tout seul et tomber sur les planches devant elle. Elle va rien dire. Elle va rien dire, elle va faire... Ça me semble normal. Ça me semble normal, je vois pas le problème. J'ai besoin, méchamment, besoin de... là, actuellement, là, les amis, là, j'ai vraiment besoin... De tout ce qui est livre. Le livre important, si je veux faire la fin de l'autre côté, je pense, pour l'instant, c'est mort. Je n'arrive pas à trouver, à mettre la main dessus. Parce que là, du coup, là, c'est parti pour une fin voiture et c'est pas ce que je veux faire. Donc là, en gros, il faut vraiment que je mette la main sur le livre. Pour le coup, j'ai le wire cutter, j'ai le marteau, je vais péter la caméra à l'étage. Je vais péter la caméra à l'étage. Le wire cutter, je l'ai laissé où ? Je l'ai laissé au niveau du piège. C'est-à-dire, je l'ai laissé là-dedans. Il est là-dedans, le wire cutter. Il est là-dedans. Ce qui n'est pas forcément très bon. Là, pour le coup, il faut que je monte totalement à l'étage.
Donc, on va voir si je peux y aller. Je peux me faire choper à tout moment. C'est pas forcément une perspective d'avenir qu'on aimerait. Oui, je peux cacher sur la table. Alors, le nombre de gens qui arrêtaient pas de le dire dans les commentaires est assez aberrant. En mode, c'est Rose, tu peux te cacher sous les tables maintenant. Je sais, je sais, je sais. Je l'avais fait. C'est juste que j'ai pas montré au montage. On va se coller contre le mur parce qu'elle a mis à remettre ce cintre. En vrai, c'est bien d'avoir les... C'est bien d'avoir le... Ce genre de... se cacher. Ok, super. Je peux... Alors, merde! Ça, c'est la clé du coffre. J'en aurais besoin. Bon, je vais attendre qu'elle arrive. Je peux me faire choper. Elle a pas mis de piège en chemin. Je suis plutôt goldé. Je vais laisser le marteau ici. Marteau qui me suit quand même, malgré tout. Techniquement, j'ai mon petit pas chaloupé de course. Voilà. Je vais en profiter, les amis, pour couper le fil de la porte principale. Alors que ça ne sert à rien. Parce que je vais pas faire cette fin. Mais par acquis de conscience. Ok, d'accord, je vais retourner ici. C'est très bien qu'elle me suive. J'adore comment on regarde l'IA. Je vais aller de côté. Non, je vais ici. Non, je vais aller de côté. Elle est maligne. Elle est devenue intelligente. Granny C. She knows. Boys and girls, she knows. Je vais la tirer ici. Voilà, je vais la tirer ici. Et moi, en fait, je vais retourner à l'étage. Ok, j'ai fait tomber des trucs. Oh boy, c'était pas très intelligent tout ça. Mais c'est pas grave, si elle vient ici, elle sera pas là de côté. Donc du coup, je peux juste faire ça et remonter. Je sais pas à quelle distance elle était au niveau du sol. Je pense que ceci répond à ma question. Bonjour toi, hein. J'ai besoin d'y aller pour la clé du coffre. Je sais pas pourquoi le jeu n'est pas fluide. Fait chier. Le truc au sol m'empêche de passer. Est-ce que ça c'est normal selon vous? Ce genre de bug là. Parce que j'appelle ça des bugs moi, ok? Where are you? Je suis sous la table. Pourquoi je l'ai dit? Mais je suis trop con. Non, c'est pas vrai, je fais semblant de dire. Le plancher qui grince à 5 instants, là. Ça, c'est le pire. Oh, bon sang. J'avais eu le temps de passer. Coucou, Granny. Coucou. Ça va, ma petite Granny. Regarde, elle est pas vraiment devant, en fait. En vrai, il faut vraiment attendre qu'elle rentre dans la pièce, parce que sinon, elle... Elle se joue de nous, tu vois. Bon, du coup, j'avais besoin de cette clé pour aller dans le coffre. Je sais pas si je pourrais passer par là, si c'est bon, j'ai réussi à passer. Le plus compliqué, en fait, c'est vraiment de passer, hein. C'est vraiment de passer dans ce genre de choses, hein. Je regarde un petit peu si ça rame pas trop. J'ai l'impression quand même un petit peu, tu vois. Ah, mais même si la version mobile qui rame sur un PC... Je fais comment, moi, après? Padlock. Rusty padlock key. Mais ça j'en ai besoin pour l'autre map.
C'est pas ici que je trouverai le livre. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Un moteur, mais non, on s'en fout du moteur. J'ai pas trouvé la clé spéciale. J'ai pas trouvé la clé spéciale. Ça, c'est l'engrenage qui est là. J'ai ouvert le micro-ondes, j'ai ouvert le frigo, j'ai pas trouvé de fruits à couper. J'ai été dans la pièce secrète, j'ai ouvert tous les tiroirs. Je pense que je suis en PLS. Quel endroit je peux regarder? Je vais regarder ici. Je vais regarder ici déjà. J'ai tout ça. Dans cette pièce, il n'y a rien. J'ai juste une vieille clé rouillée. Le tournevis, la gasoline et le tournevis qui sont sur l'étagère, s'il te plaît. Elle va passer par la gauche ou pas? Non. C'est pas son style. Parce que là, pour le coup, j'ai regardé un peu partout, tu vois. Et les autres endroits, j'ai besoin du tournevis. Donc pour avoir le tournevis, j'ai besoin en fait de l'arc, de l'arbalète ou du fusil. Alors. Non, merci. Il me reste que ça, ouais. Il me reste que ce truc-là. Je vais la tirer à l'extérieur. Je vais remonter par le sous-sol et voir s'il y a quelque chose de très utile ou pas. Parce que normalement, dans cette pièce-là, sous l'escalier, il n'y a que la bombe à poivre qui me permet en fait de la stun un petit peu, tu vois. Flûte ! Pire jumpscare ever. Je me suis causé tout seul ce jumpscare. OMG. Ok. Ok, super. Bon, on va la tirer ici. Ça fait pas de bruit, tiens. Voilà, là ça fait un bruit. Ça fait un bon petit bruit qui attire, tu vois. Donc maintenant, Granny, s'il te plaît, va à l'étage. T. Code. C'est quoi ça? A wooden stick? Hein? À quoi va me servir ce bâton? Attends, je vais voir si je peux avec le bâton éventuellement taper dans les grilles comme ça. Où est-ce que je peux mettre ce bâton? Oh mon dieu. Les gars, plus on avance, plus je suis en PLS. Padlock key. On est d'accord qu'il n'y a rien ici? J'ai pas vu de livre, hein? Non, attendez, il y a un endroit où j'ai vu éventuellement un livre. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Pourquoi? Je sais même pas à quoi sert le petit bout de bâton que j'ai trouvé là. Je sais pas à quel moment je vais l'utiliser, tu vois. Flûte. Chut, Teddy. Dis rien, Teddy. Teddy, c'est la mission secrète. Il faut vraiment que tu dises rien du tout. C'est très important pour moi, Teddy. Donc, le moment où elle va se tourner ici, je pense qu'il va être marrant, c'est qu'elle va se retourner et va me voir. Du coup, il faut changer de côté. Alors, moi, maintenant,
Je veux retourner dans la chambre. Flûte, mais arrête de grincer. Ça, c'est la pire. Putain, le livre était dans ma chambre. Le livre était dans ma chambre. Le livre, le fucking livre, était dans ma chambre. Sérieusement? Je suis sous la table, Granny, tu peux pas m'avoir. Non, non, non. Non, 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 tes rhumatismes t'empêchent de te baisser. C'est mathématique, Granny. C'est mathématique. Tu ne peux pas effectuer un angle de 90 degrés avec ton dos. Voilà, c'est tout. I'm not here. Flûte, mais il y a tout qui tombe là. Oh, je fais tout tomber hein. Oh, je fais du bruit dans tous les sens hein. Pas ouf cette histoire. Allez, vas-y, t'es libéré. Fuis. Je vais me cacher sous cette table en attendant hein, que ça se calme. C'est bon, j'ai trouvé le livre. Le livre était dans ma chambre. Je l'avais vu à un moment donné et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est forcément un élément du décor. Et c'était le vrai livre. Maintenant qu'on a trouvé le livre, on a maintenant l'accès à la salle des araignées. Et ce qui est bien, c'est que nous avons plein d'objets. Nous avons le bâton. Nous avons la clé rouillée. D'ailleurs... Où est-ce que j'ai mis cette clé rouillée? J'ai laissé devant l'entrée en fait de la zone d'araignée, j'ai laissé ma wrench. Donc ça j'en aurais besoin. Il faudrait que je retrouve tous mes objets, mince. Mince, mince, mince. Le marteau, je suis sûr que j'en ai besoin aussi à un moment donné. Bon, elle a laissé tomber la clé par contre là. Voilà. Elle a pas l'air très bien. Hein. La pauvre. Pas tous les jours facile. Purée. J'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. Ça n'a pas été facile pour moi. Là, il y a la crank wheel. Elle est dans la pièce de la salle de bain. Please. Là. Oui, on se regarde dans les yeux, toi et moi, Granny. Nous sommes faits là pour l'autre. Ramasse ça! Tu prends du temps, là. T'es sérieux? Oui. Hé, Granny, t'es même plus là, oh. Bon. Bah ça la fait rire. Moi aussi ça me fait rire. Ça c'est le rire de Granny, tu vois, quand elle est contente. Je vais la tirer ici. Voilà. On a tiré Granny dans ce côté-là. Moi en fait, mon problème, c'est vraiment au niveau du plancher. Depuis le temps que je joue à Granny, j'ai toujours pas tilté où étaient les hommes sa grâce. Allez, on va prendre ça. On va faire tomber. J'ai emmené le marteau. Et j'ai la weapon key. Je te jure, ce jeu va me tuer un jour, les amis. Ce jeu va me tuer un jour. À changer les règles comme ça constamment là. Bon, c'est bon, on y est. Oh là là, je me rappelle qu'au début j'avais peur de cette grosse araignée, mais en vrai, ça, c'est rien du tout. Le pire c'est l'autre là, c'est elle. Ah ouais, il le fait à chaque fois, hein. Il le fait, ça manque jamais de faire son petit effet. Alors du coup, je vais garder la weapon key, je vais la laisser dans le garage. Je pense que c'est plutôt cool. Ça me permettra en fait d'aller dans le garage pour la récupérer. Je vais prendre le crank wheel au départ. Et maintenant, le but, c'est de retrouver les petites salles qu'on avait vues auparavant.
Je vous avouerai en fait que ce passage, c'est super stressant en fait, parce que l'araignée elle est très impressionnante. Hey! Et surtout immortelle. Donc du coup je ne peux rien lui faire. Donc à partir de là, on va attendre qu'elle passe. Elle a tellement une sale tête quand même. Elle a tellement une sale tête. Alors là, en fait, je vais attendre qu'elle passe encore une fois. Et je vais marcher derrière. Non, pas maintenant. Pas maintenant, parce qu'elle a décidé de s'arrêter. J'ai besoin d'un levier, j'ai besoin d'un padlock key et j'ai besoin d'une chaîne cutter. Ouais, d'accord. J'ai besoin de plein de choses. J'ai besoin de screwdriver. Oh mon dieu, le truc que j'ai en main, il sert à quoi? Pas par là du coup. Alors pour ouvrir cette citerne, j'ai besoin de plein de choses. J'ai besoin de le wooden stick. Le wooden stick, il va pouvoir rentrer là-dedans pour l'ouvrir, mais j'aurais besoin du padlock key rouillé et du chain cutter. Ok? Donc j'ai besoin de deux choses. Je crois que l'ascenseur maintenant il est peut-être. L'ascenseur ne marche pas? Elle est de l'autre côté. Si l'ascenseur. Ok, l'ascenseur fonctionne. Et c'était la boîte numéro 1. Faut pas ouvrir la boîte numéro 2. J'ai la clé spéciale. Flûte. Ne bug pas, s'il te plaît. Faut pas ouvrir la boîte numéro 2. La boîte numéro 2, du coup, me ferait exploser. Je sais pas si elle entend, par contre, l'araignée. Et je sais pas si elle entend, mais du coup. Voilà, je vais récupérer mon truc là. Voilà, et je vais me mettre ici. Donc la clé spéciale va me servir à ouvrir la salle spéciale dans le grenier. La clé, la weapon key, je l'ai lancée dans l'autre salle du coup. Et ça, c'est un morceau du fusil. C'est un morceau du fusil, d'accord. Hey, on est d'accord que c'est de la triche, par contre, hein. On est d'accord que c'est de la triche. Là, j'étais pas du tout. Mais j'étais derrière l'autre mur. C'est de la triche. Granny triche. Granny triche le ouf, les gars. Elle sait qu'on avait un challenge. Hein. Elle sait, hein. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça. Le challenge. Challenge a été. Érodé, là. Attends, je vais attendre un instant ici que ça se tasse un peu. J'ai la weapon key, du coup, j'ai plus qu'à remonter dans le sous-sol, passer par le raccourci, récupérer l'arbalète, tirer d'un tête de granit, récupérer la munition, récupérer le tournevis. Ensuite, avec le tournevis, déboucher le truc qui a débouché un peu partout. Faux. C'est faux, granit, tu vois que dalle, t'es aveugle. Granny, elle fait croire des choses aux gens. Granny, elle fait croire des choses aux gens. C'est une banane. Granny, c'est une banane. Allez, viens ici, Granny. Viens ici, Granny. Granny, le jour où tu auras une évolution, c'est le jour où tu pourras
ramper dans les conduits d'aération ou de ventilation comme Soster Madeline. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'elle allait pas tomber KO. J'étais là en mode... Attends, Granny, tu vas pas me faire ce coup là quand même. Allez, voilà. Du coup, je vise bien haut. Parfait. C'est visé comme un chef. Je vais l'utiliser dans deux façons différentes. Parce que j'en ai besoin de toute façon de deux façons différentes. Et ça, c'est la clé de la Playhouse Key. Ok, bon, on va l'utiliser aussi quand même. Je vais avancer avec mes deux objets en même temps. Ce serait le truc le plus logique à faire. Hop. Je me réveille. Je sais où sont tous les écrous, normalement. C'est dans deux étagères, en fait. Dans deux tiroirs, je veux dire. Ok. La Playhouse qui ne sert plus à rien. Allez, monte. Alors, est-ce que 1 minute est déjà passée? Je sais pas si 1 minute est déjà passée, mais dans le doute, je vais dire que oui. Purée, c'était... Mon timing est juste parfait. Merci, Granny. Voilà. Alors, du coup, maintenant, chercher les deux écrous. Les deux écrous. Je crois qu'il y en a un là. Non, pas là. Pas ici. Non, c'était à l'étage. J'ai la clé spéciale aussi, mais non, l'araignée m'a tué, du coup, je peux pas l'avoir. J'ai la Cranking Wheel. Que je vais jeter au milieu. Granny est là. Granny est déjà là. C'est moi qui a fait craquer le sol? Ok, il y en a un là. J'arrive pas à le prendre. Ok, doucement. Elle a spawn, mais je ne sais pas où. Le seul moyen, c'est d'attirer le combat à moi, en fait. Plutôt que d'essayer de deviner où elle est. Merci, Granny. Hop. Du coup, c'est cool, ça tombe plus vraiment n'importe où comme ça le faisait avant. Donc, du coup, je vais jeter ça en bas, très bien. Le deuxième... était... je sais pas ici, non. Il était pas ici. Il était... Oh là là. Je l'avais vu, les amis. Je l'avais vu. Je m'en rappelle plus. Ma mémoire me joue des tours. Ma mémoire me joue des tours. C'est horrible. Alors, je vais m'armer au cas où. On va rester armé. La Cranked Wheel était où? À l'étage? Oui, à l'étage. Dans le tiroir ici, là. À côté de la viande, non? Non! Non, non, non. Non, pas ici. Je l'avais vu! Où est-ce qu'il est? Je vais le trouver, hein. Je vais le trouver. Hein. Je sais pas où il est, mais je vais le trouver. Attends, j'ai failli mourir là. Je sais c'est où. C'est dans les égouts.
sais, c'est où, c'est bon. Bon, on va essayer de bien viser le truc pour la porte aussi, là. Comme ça, là. Ça devrait le faire. Parfait. La batterie. Non, on s'en fout. Batterie, on s'en fout. Il y a un passage pour venir directement ici. D'accord, je l'ai pas vu encore ce passage. Je crois que c'est par là. Il est là. Parfait. Donc du coup... J'essaie de faire tomber le bout de jambon parce qu'il me gêne. Granny doit être réveillé, je pense. Là, ce que je vais faire, c'est que je fais un speedrun. Remonter rapidement, en fait, au rez-de-chaussée. Placer les deux écrous dans la maison de poupée pour être sûr, en fait, de récupérer quelque chose. Granny ? Coucou ! Ça va ? Non, ça va pas, non. Ok, on va laisser ça ici. C'est cool, en fait, que ce soit... Avant, vous savez, quand vous lâchez le truc, ça partait vraiment dans tous les sens, tu vois. Ça volait dans tous les sens. Maintenant, ça reste plus ou moins... Plus ou moins... Oh, non. Laisse-moi passer ! Ça reste plus ou moins, en fait, au même endroit. Genre, le crossbow et le machin. Avant, la dart, l'aiguille, là, elle partait partout. C'était insane. C'était là en mode, mais bro... Je suis censé faire ça comment? Ok. Je fais du mieux que je peux. La cranked wheel. Je la mets là. Clairement, j'en ai besoin là-dedans. Hop. Hop. Ouais, ça grince à chaque fois que je passe. C'est génial. Et on y va. Ah, le bâton. Non, c'est quoi? Non, c'est le fusil ici. Wow, Granny. Elle peut pas voir là-dedans ou pas? La Master Key, mais on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat tellement les couilles de la Master Key. À moins que j'en ai besoin pour en bas. Où est-ce que j'ai laissé le bâton et la vieille clé? Où est-ce que j'ai laissé ça? Je m'en rappelle plus. J'ai encore un truc dans le puits. Le bâton. Je me rappelle, j'avais un bâton, je sais pas comment faire. Le bâton, nanana. J'ai ramené tellement d'objets en bas en plus. La crampouille, j'ai ramené en bas. Bon, par contre, elle va être attirée forcément. Heureusement qu'elle ne referme pas la porte. Hein. Faut que je retrouve le bâton. Le bolt cutter, je sais pas où il peut être. Peut-être à l'étage en vrai, hein. J'ai laissé que dalle ici. J'ai laissé que dalle ici. Où est-ce que j'ai laissé ça? Ma mémoire me joue des tours. Pouf. Très stealth, Seros, très stealth. On adore, on kiffe. Le bâton, il doit être là, en fait, je pense. Le bâton est ici, je crois. Donc, du coup, je vais récupérer le bâton. Non, c'est la vieille clé. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est mieux que rien. Je sais. Je vais jeter la clé à l'intérieur du tuyau, ici, là. Voilà.
Forcément, ça l'a tiré, je suis con en fait. Forcément, ça va l'attirer, mais je sais même pas à quoi je pensais. Where are you? Faut pas lui répondre, les amis. Dites rien dans les commentaires. Dites rien, ne dites pas que je suis là. C'est important en fait que vous gardez le secret. Parce que là, c'est ce qui va faire la différence entre une victoire et un échec. Parce que dans l'échec de la victoire, enfin bon, vous avez compris quoi. Allez, on y va. Je vais prendre le tournevis et je vais retourner. Please qu'elle soit pas là. Ok, c'est bon. Imaginez que Granny, pour une raison ou une autre, décide de sauter ici. Je fais quoi, moi, maintenant? Ok. C'est rigolo, quand même, que la maison du 1 soit devenue aussi horrible. Hein. Par rapport... Franchement, parce que... Les gens, à y réfléchir, Granny, c'était déjà quelque chose, tu vois. Granny 2 et 3 et compagnie, c'était assez... assez insane. Et là, imagine-toi, en fait, que... le jeu devienne pire encore, mais genre des années après, tu vois. C'est dommage que mon personnage n'a qu'une seule main. Il n'a qu'une seule main en fait, il ne peut porter qu'un seul objet. Il n'a pas de poche non plus, il a poil. On va s'écarter des murs, hein, parce que... Vous avez vu qu'elle nous voit direct. Je pense que la mise à jour qui fera que ce bébête entre dans les petits endroits comme ça là va faire que ce sera le pire update ever. Fasse gaffe, hein. Il y a ma clé qui est là. En fait, elle m'a chopé parce qu'elle m'a pris avec ses pattes. Allez, c'est parti. Ouvre ça, toi. La bougie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh mon dieu, ce jeu. Oh. Genre, je ne veux pas sortir dans la voiture avec ça. Genre, en fait, t'es en train de me dire que maintenant, on est obligé de venir ici pour récupérer les autres morceaux, pour faire les autres fins. Le jeu est devenu tellement plus dur. Dingue. Bon, j'ai besoin... Est-il ? Oh mon dieu, j'ai cru qu'elle allait rentrer. Non, Granny. Ben, Granny 2. Granny Spider. Je veux rien savoir. Laisse-moi tranquille. Elle va essayer de me choper quoi qu'il arrive parce qu'en fait, elle... Je peux pas rester collé au mur. Ah, la musique, c'est bon. Bon, il faut que je trouve le bâton. Je sais plus où je l'ai mis. Où est-ce que j'ai laissé tomber le bâton? J'avais trouvé le bâton, j'avais récupéré pourquoi, je ne sais plus. J'ai besoin de cette clé. Imagine les deux en même temps. Le bâton, je l'ai mis où? Bon, quoi qu'il en soit, il me manquerait... Même si j'ai le bâton, en fait, il me manque quand même le coupe-chaîne, tu vois. Je sais pas où elle est. J'ai un peu peur, je vous avouerai. Tu vas me dire que c'est un peu le but, hein. J'ai l'impression qu'elle est coincée entre l'ascenseur et ici, tu vois. Elle est
les proches. Elle est très proche. Je vais me faire choper encore. Je vais pas survivre une... Je vais pas survivre une énième attaque de Granny Araignée. Ok, je viens de la voir. Je reste trop longtemps au même endroit, c'est pas bon. Pour mon bien-être intérieur, c'est pas bon. Je sais pas comment elle va me voir. Elle arrive à me voir, mais c'est horrible. Fais-moi les cacher. Ok, je vais faufiler derrière elle. Oh là là, c'était tellement risqué. Il y a tellement de pièces aussi. Et c'est une autre pièce là-bas, normalement. Ah, pour mettre la wheel crank. Oh oui, mais je peux pas sortir par ici en fait. Je suis revenu en arrière, mais ça servait à rien. Je ne peux pas sortir par ici. Je dois absolument trouver. Sortir soit par le garage, soit par l'endroit où elle est montée. Parce que c'est le. Je crois que c'est pour aller dans les égouts avec Granny. Dans la maison de Granny. Parce que là, du coup, j'ai la clé, mais en vrai, la clé, ça me sert à rien là pour le coup. Il me faut. Faut que je retrouve le bâton et le bolt cutter. Tant que j'ai pas ça, je peux rien faire. Parfait. Ok, le shotgun. C'est pas mal, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Je suis revenu avec Granny maintenant. Oh, bah attendez. Il va juste attendre qu'elle revienne. Et il a juste à faire ça. En plus, il y a la viande et tout au bon endroit, tu vois. Allez, c'est parti. On remonte rapidement au grenier. Purée, je pense que c'est l'arbalète le mieux placé de toute ma game. C'était parfait. Donc du coup, j'ai plus qu'à ouvrir la... Putain! Placer la viande. Vous pariez combien en fait que ça va me juste donner un objet à la con dont j'ai pas besoin? Allez, c'est l'heure de la viande! Il y a un bébé devant. Bolt cutter! Super! Ok, maintenant il reste plus qu'à trouver le bout de bois. Je sais plus où il est le bout de bois! Je suis en PLS, là. Je l'avais en main. Il manque un seul objet, en vrai. Où est-ce que je l'ai mis? Il faudrait que je regarde mon replay. Le bout de bois, il est pas ici. Il est là, le bout de bois. Bro. Il était dans la chambre, parce que c'est là où j'ai récupéré le livre. Granny, please, non. S'il te plaît, ne me tue pas comme ça, Granny. Granny, s'il te plaît, non. Oh non. Oh non.
Ce serait tellement injuste, Granny. Je me suis donné tant de mal pour arriver jusque-là. Ah Granny, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Granny. Il me reste qu'un seul jour pour survivre. Un seul jour, Granny. Et la rédemption aurait été là. Oh, Granny, si tu savais tout le mal que tu me fais, Granny. Oh, Granny, si je pouvais d'entrer dans... dans tes bras longs, me reposer. C'est une chanson, hein, calmez-vous. Faites pas une fanfiction avec... Ouais, si Roy, s'il aime Granny, apprends. Languette ton moment. Non, pas voilà. Voilà. Voilà, là, 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 les amis, c'est comme ça qu'on fait. Soyez surpris et ravis de cette stratégie hors pair et digne. Digne. J'ai vraiment du mal à jeter des choses au sol. Digne d'un Séros. Alors bien entendu, si je réussis à m'enfuir aujourd'hui, les amis, je compte sur vous pour mettre une tonne de pouces bleus sur cette vidéo. Pour la faire finir en tendance. Vous avez intérêt, hein, si je termine... Oh, flûte. C'était pas le bon nombre. J'ai pas allé au bon endroit. J'étais stupide. C'est bon. J'y suis de retour. C'est bon. C'était un... petit inconvénient de quelques secondes. Je vais me casser les jambes en fait à force. Genre j'ai des égouts dans la bouche. Rien ne va, tu vois. Alors parce que là en fait la blague c'est que au lieu de sauter dans le bon côté, j'ai pas hésité et je suis parti vraiment au mauvais côté, tu vois. Mais c'est pas grave. Oh putain, toi t'es... En fait ce qui me fait peur c'est que vous voyez ces araignées là. L'autre araignée qui est à l'étage, elle te défonce, ok? Et si c'est exactement la même araignée? Mais elle ne te défonce pas celle-là. Du coup, je me pose des questions existentielles. Pourquoi cette araignée est violente et l'autre non? Est-ce que cette araignée mange comme elle peut? Et du coup, elle n'a pas besoin d'attaquer le pauvre être que je suis? Tu vois, ce genre de questions existentielles qui font que... Ben, finalement, on se pose les bonnes questions. On se pose vraiment les bonnes questions. Voilà. Non, je sais pas si c'est une bonne question ou pas. Et j'attends juste qu'elle s'en va. Allez, c'est bon. Please, tu fais pas choper. Allez, c'est reparti. Ne saute pas dans le mauvais trou. C'est pas ça le bon trou. Il fallait aller où? Ah, je suis perdu là. J'ai pas besoin du shotgun. Sauf si j'ai besoin du shotgun. Du coup, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai besoin de shotgun ou pas, tu vois? Sinon, c'est quand qu'ils veulent nous sortir un Granny HD, là? Hein? Sur Unreal Engine 5? Si toi, t'es développeur et que t'es motivé, vas-y, hein, moi, je joue. Hein. Moi, je veux bien, moi, découvrir Granny en HD. Mais il faut que ce soit le même, hein. Avec toutes les fonctions et tout. Avec l'aléatoire, etc. Pas juste un truc joli, entre guillemets. Non, ça marche pas, ça. Faut que je descende à un moment donné, tu sais. Parfois dans ta vie de youtubeur, il faut que tu fasses des choix.
Ok, ce choix a été fait. Il ne sera plus à refaire. J'ai juste besoin, en fait, de mettre la roue à l'endroit où il y avait... je sais plus, je pensais que c'était là, mais c'est plus là. Mais je sais plus c'est où exactement. Je dois mettre ça à un endroit, ça va me permettre d'ouvrir une grille qui va me permettre de m'échapper plus facilement. C'est la seule raison pour laquelle je dois mettre cette roue-là. Sinon, en fait, je devrais juste aller. J'ai le bois, j'ai la clé, j'ai la chaîne cutter. Je peux ouvrir le container. Je peux savoir ce qu'il y a derrière le container. C'est tout ce qui compte, en fait. Ce soir, les amis, ce soir, la seule chose qui compte, c'est d'ouvrir ce container et de voir ce qu'il y a derrière. Vous avez été assez patients. Certains d'entre vous ont sûrement été se spoiler sur Internet. Et ceux qui n'ont pas été se spoiler, vous, les vrais, vous qui étiez là à attendre impatiemment que ça arrive, vous serez récompensés ce soir. Ou pas. Crankle Will. Ok, c'est bon. Maintenant, ça s'est levé. Ah, araignée. Maintenant, faut que j'attende qu'elle s'en va. Rassurez-moi, elle rentre pas là-dedans. Oh, j'ai un doute. Je veux tellement gagner, les amis. Je veux tellement gagner. Je me mets un stress de malade. Si elle monte ici, j'y vais. Elle monte pas. Si je touche ses pattes, en fait, je meurs, je pense. Comme c'est pas de traverse le mur. Ok, super, let's go. Witch Handle. Ok, d'accord. Ça, c'est pour le... Ça, c'est le... la poignée pour le puits. Ça va ouvrir une nouvelle zone, en fait. Ça. C'est une nouvelle zone que j'ai ouverte. C'est définitivement une nouvelle zone que j'ai ouverte là. Ça n'a rien à voir avec. Flûte. Je déconne. Bon, c'est. Ça veut dire qu'on a besoin d'un Crankle Wheel aussi, de toute façon, parce que les objets peuvent spawner partout. Il y a des tiroirs dans tous les sens, il y a des pièces dans tous les sens. Le jeu est devenu très complexe. Hein. Le suspense est à son paroxysme. Sera-t-il ? Des générations entières de gamers le regardent actuellement. Ok. 1. Ouh putain, elle est là. J'ai réussi à enlever 1. Plus que 2. La poignée et le chain cutter. Là, si je vais là, je vais m'enfermer dans cette boucle. Elle est à droite. Oh, c'est bon, j'y suis. Oh mon dieu. Chain cutter. Plus que deux. Plus qu'un. Et on va pouvoir couper ce truc. Mon cœur bat à la chamade.
cœur bat 100 à l'heure. Pour de vrai, les gens, j'ai jamais été aussi stressé sur Granny. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle peut très bien avoir un petit peu faim. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. De toute façon, ça ne prouve pas, ça ne montrera pas que j'ai perdu, là. C'est pas un signe de ma mort imminente. Vous pourrez crier victoire. Vous pourrez crier défaite, même. Juste au moment où... Genre, lorsqu'elle suce le cerveau de mon crâne. Là, oui. Elle est vive, hein. Pour une grand-mère araignée, je trouve qu'elle a le regard vif. Elle doit avoir 15-15 au niveau des yeux, sachant que la limite c'est 10, hein, la base. Hein. 15-15, Spider-Granny, elle voit très bien. Spider-Granny vous voit très bien lorsque vous rampez dans les tuyaux. Grand-mère Granny. Spider-Granny vous voit très bien lorsque vous essayez de vous cacher. Elle va venir sucer vos os. Déchiqueter vos petits yeux. Grand-mère Granny est toujours là lorsque tu crois qu'elle est pas là. J'ai trop peur. On va réussir. C'est impossible que j'échoue ce soir. Je ne peux pas échouer ici. Je me cache, je veux pas envie de la trigger. Mais il faut que je vois si elle est là. C'est ça le problème. Allez, on y est maintenant, les amis, après 30 heures. Oh my god. Oh my god. Oh, regardez, Granny, elle rentre dans les conduits maintenant. Heureusement que c'est uniquement dans la cinématique. Voici la véritable fin de Granny. Oui, j'ai réussi. Je vous mets un défi à vous, parce que moi j'ai résolu votre défi. Je vous mets un défi à vous maintenant. 10 000 pouces bleus sur cette vidéo avant la fin d'année. 10 000 pouces bleus sur cette vidéo avant la fin d'année. Et je refais Granny en difficulté un peu plus élevée. Genre juste un tout petit peu. En hard, ok. Voilà, c'est tout. C'est votre défi à vous. Rejoignez-moi sur twitch.tv/Seros où je fais des vidéos en live assez souvent. Et retrouvez-moi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, TikTok. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Seros, out.